Wow, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Souban. Comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Mais ce que nous allons vous montrer ici, ça ne va pas du tout. Ah, les femmes souvent. Qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il a? Une femme ici va tromper son mari. Oh, son mari c'est un féticheur, un homme mystique. Et son mari, qui lui-même au départ avait des doutes sur ce que sa femme était en train de lui dire sur ses sorties, mais bien évidemment, cet homme va décider de faire une prière mystique pour pouvoir attraper sa femme, pour voir si elle est fidèle ou pas. Le résultat est ici. Cette femme va aller à l'hôtel avec son amant. Les deux vont être collés là-bas dans l'hôtel. Après le match de football, ils essaient de se découler, ça ne passe pas. Pourquoi? Si nous vous expliquons cette affaire, sans vous montrer cette vidéo, vous n'y croirez pas. Des gens, certains vont croire, d'autres ne vont pas croire, on dit, mais c'est pas possible. Si cette vidéo n'avait pas été filmée, personne ici n'y croirait. Partagez cette vidéo. Et déjà, est-ce que vous êtes abonné? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Ça, c'est la base. Et quand vous partagez cette vidéo, la vidéo va très loin. Et les hommes commencent maintenant à respecter les femmes et deviennent fidèles. Surtout, mais quand nous allons voir cette vidéo, toutes les femmes qui aiment tromper les maris, elles vont tout arrêter. Ou du moins, je l'espère. Suivez-nous même. Déjà, vous devez savoir, si vous n'avez pas 18 ans, ne regardez pas cette vidéo jusqu'à ce niveau. Jusqu'à là où on va. Ok? D'accord, là nous sommes d'accord. Vous avez 18 ans ou plus. Maintenant, suivez-nous. Interdit au moins de 21 ans. Ce que nous allons voir, mes frères et sœurs, c'est pas pour les enfants. Si vous n'avez pas montré ça, vous n'y croirez pas. Comme vous le voyez, c'est bien réel. La femme, elle est d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle, c'est la femme de quelqu'un. Elle a rencontré le gars. Et les deux se voient souvent à l'hôtel pour faire les trucs, pour faire les choses. Ah! Mais quand arrivé à l'hôtel là-bas, quelque chose s'est mal passé. Du coup, les deux sont collés. Comme les deux sont collés à l'hôtel là-bas, les deux savent comment vont faire pour se décoller. Les deux personnes ont décidé de crier à l'aide. Donc, ils ont crié à haute voix, au secours, venez nous aider. Ah, mais que se passe-t-il là-bas? Ouvrez, s'il vous plaît, entrez, vous allez nous voir. Et quand les gens sont entrés dans la chambre, ils ont vu des choses qui ont même poussé le monde, tous ceux qui sont autour de la rue, les gens qui sont autour là. Cette chose a même poussé les gens à venir parce que c'était rendu public. Maintenant, nous allons vous raconter l'histoire. L'histoire elle-même sera devant vous. Mes frères et sœurs, soyez maintenant prêts. Regardez même ça. Que voyez-vous? Lisez avec nous. On nous dit, la jeune fille serait l'épouse d'un homme réputé dans les sciences occultes. À l'insu de son époux, la jeune femme avait pour habitude de rejoindre son amant pour des parties de jambes en l'air. Mais cette fois, le plaisir a viré au drame. Ouh, là maintenant c'est chaud. En cause, un sort lancé par son époux, fatigué des doutes d'infidélité pesant sur la jeune mariée. Après cette partie de plaisir, quelque chose au fond de l'autre retient l'homme. Il patiente un peu et force son succès. Malgré plusieurs tentatives, le couple n'a eu d'autre choix que de crier à l'aide. Après plusieurs péripéties, et alors que la nouvelle s'empare du village, les tout-taureaux sont convoyés chez un féticheur.
Ce dernier, après négociation du prix, décide d'enfoncer un énorme fétiche dans l'anus du malheureux jeune. Après quoi, les deux jeunes honteux parviennent à se libérer. Ces derniers ont finalement pu regagner leur domicile tout honteux. Maintenant, vous allez dire, oh, laissez-nous, vous voulez nous faire peur. Ce sont des histoires. Bien sûr, bon, arrête de nous raconter des histoires. Ce que tu nous racontes, c'est des histoires. Arrête de nous dire des choses. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on te raconte des histoires. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu verras même ce que nous sommes là, nous allons maintenant te montrer là. Tu vas nous dire si ce sont des histoires ou pas. Ma frère et soeur, si vous êtes jeune, si vous avez moins de 21 ans, s'il vous plaît, ne regardez pas ça, ne regardez pas cette vidéo jusqu'à ce niveau même. Est-ce que vous êtes même prêt? Est-ce que vous êtes même chaud? Parce que ce que nous allons voir ici, c'est pas pour les enfants. Regardez ça. Ah, tu ne joues pas? Bon, regardez. Voyez-vous quelque chose? Regardez bien. Bon. Les deux sont en train de crier comme ça. Regardez, ils crient. Ils crient. Ils sont en train de crier. Il crie au secours. Est-ce que vous voyez? Attendez, vous voulez vous montrer. Regardez. Il chante et crie. Il crie au secours, quoi. Il crie au secours. Ils sont collés. Ils sont juste collés, quoi. Eh, mon Dieu. Vous n'entendez pas que les deux sont collés comme ça? Ils essaient de se retirer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il crie. Tu n'as pas dit que tu aimes le sexe, c'est ce que tu aimes faire. Mais toi, tu es collé. Yako. Voici ce que les gens font. Là, ils sont venus, ils sont obligés de les prendre avec le lit. Regardez comment on les tire. Ils sont obligés de les tirer. Et le monde est venu pour voir ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous avez pensé que c'était la blague, non? Mais regardez. Voici des choses, franchement, qui nous amènent à vraiment faire attention dans la vie. La fidélité, c'est pas une bonne affaire. Fais tout ce qui est à ton possible pour être fidèle ou on sait jamais. Et regardez les sources de témoigner. Kina mama muache kushikana na wazee, mama atumie mume wake peke yake. Regardez comment ils sont de les tirer et les soulever comme ça pour les envoyer chez le féticheur, pour que le féticheur puisse faire les babanchi afin que on puisse juste les libérer. Là, ah la honte. Ah la honte. Regardez comment ils sont tous de les tirer. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne le saurait. Regardez. Oh, regardez les deux. Aïe 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 aïe. Regardez ça. C'est ça que le gars a enfoncé dans la nuque de l'homme pour que cet homme, pour que les deux puissent être libérés. Mais avant ça, regardez comment ça a été. Regardez, les gens sont en train de passer par ce qui se passe. Regardez. Mon frère, si tu, avant de chercher une femme de quelqu'un, tu vas faire attention. Fais attention, fais attention. Merci beaucoup pour l'information. Grâce à cette vidéo, nous saurons tout sur ce qui se passe dans la vie. Qu'en pensez-vous? Le match de mon football s'est mal terminé. Sur cette terre-là, il y a toujours de vilaines choses. Quand on parle du diable, des démons, des anges, les gens sont en train de dire « Ah, arrêtez de nous faire peur, arrêtez !» Quand on demande aux gens de ne pas chercher la femme d'autrui, ils sont là « Ah, laisse-nous faire les choses qu'on veut !» Maintenant, tu es collé, tu es là, tu dis « Eh, si je savais où, je n'ai jamais trompé mon mari !» Sinon, on dit « Si je savais, n'a même pas de queue. » Qu'en pensez-vous? Partagez cette vidéo maintenant. Et réfléchissez bien. Si toi, ma soeur, tu tombes ton mari, arrête maintenant, on ne sait jamais. Tu peux être à la place de cette femme. Même la mort peut te trouver dans ça. Fais attention. Si toi, mon frère, tu trompes ta femme, arrête ça. Tu cherches femme des gens, arrête ça. Tu n'es pas marié, tu vas coucher avec la fille des gens. Même enfant de quelqu'un. Ce n'est pas ton enfant, ça, tu veux coucher avec enfant de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Dis-nous ce que tu as pensé, abonne-toi maintenant. Et partage cette vidéo. C'est parti.